إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Allah subhanahu wa ta'ala, because of it man kena iman, les yeux sauve zot même, et sauve zot famille, depuis en jfe. En a doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les content man kena iman. Alors, les conseils zot, pour qu'ils se fassent tous efforts, pour qu'ils se parviennent parmi man habitants jfe l'enfer. En a doute qui, personne parmi nous, pas pour content, qui dira dans jfe l'enfer. Personne parmi nous n'est pas beaucoup content qu'il y trouve sa famille dans différents enfers. Alors, qui nous faisons faire pour qu'il n'échappe depuis différents enfers? En bref, nous faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne nous pour faire et n'abstenir de ce qu'Allah revoit à mine fin empêcher. Ça, c'est en bref. Et si jamais nous nous glissons, nous tombons dans certaines bandes désobéissance, le plus vite nous fait tauba, nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour aide-nous, pour qu'ils nous vivent dans l'obéissance à Allah, définitivement, un parmi les facteurs bien importants, qui chacun parmi nous besoin tout le temps prendre compte, jusqu'à ce que l'amour vienne avec nous, c'est qu'il tout le temps nous besoin faire des efforts, nous apprendre concernant nos dînes. À cause même qu'il nous trouve, Ali radiallahu anhu, concernant ces ayats-là, les dire, comment nous sauvons-nous, nous-mêmes, et nous sauvons nos enfants depuis différents enfer. Déjà, adibouhum wa allimouhum. Alors, nous corrigeons. Nous faisons gagner une bonne manière, un bon caractère. Et aussi, nous enseignons. Nous enseignons. Il y en a d'autres qui, l'enseignement, c'est un point de facteur plus important dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Bu'ithu mu'alliman » Mon fils est envoyé comme un enseignant, un professeur. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a un professeur. En d'autres mots, ce ummat c'est qu'est-ce? Ce ummat c'est ben zélève de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, basant l'Ola, nous comprenons qu'il y a un zélève, il besoin tout le temps de faire ses efforts. Il apprend depuis sa professeur. À cause du Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait connaître qu'il m'a prophète, je ne quitte ni dinar, ni dirham comme l'héritage. Mais je ne quitte la connaissance. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui prend depuis la connaissance qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait quitter, il prend un bon port depuis l'héritage Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tant qu'il nous apprend, nous dit, tant qu'il nous apprend ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient quitter, définitivement nous peut augmenter nous l'héritage depuis l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous peut augmenter nous, Allah subhanahu wa ta'ala vient vers un grand faveur pour donner l'occasion ben du monde pour gagner depuis l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est une occasion qui nous a saisi. Surtout, dans le conseil d'école, là, il est important pour que chacun parmi nous nous fasse des efforts pour que nous fassions, nous, nos enfants, profiter avec ce conseil-là. Définitivement, le conseil d'école, c'est une grande occasion que nous sommes capables d'aider nos enfants pour se taper concernant ce dîner plus,
Tetapi concernant parole Allah subhanahu wa ta'ala puis alors dans le khutbah aujourd'hui nous vous donne certainement conseils conseil là pour tout pour moi-même en premier pour mon bons enfants et mon famille et aussi pour tout le monde qui est présent. Alors première affaire dans le conseil comment conseil rentrer n'importe qui conseil rentrer il est important de nous mettre un timetable. Un timetable malgré qu'il quand vous mettez il n'est pas pour être 100% ça. Et la personne qui verserait comme étant un timetable, il y a le 100%. S'il y a le 100%, comme lui, non? Alors, ou avec vos enfants ensemble, assiser, planifier. Alors, tel lire pour vous enlever, tel lire pour faire telle activité, tel lire pour faire telle chose. Mais ce qui est important, dans votre timetable, vous prenez compte tout le monde en avance, et vous prenez compte qui, dans ce timetable-là, et dans beaucoup de temps qui peut donner à l'éducation. Alors, première affaire, ça veut dire, mettre un lien pour le dormir. Mettre un lien pour le dormir. Parce qu'il nous dit, enseigne-nous, pour qu'il nous dormi bonheur, afin qu'il nous capable de bonheur. Aujourd'hui, beaucoup de monde n'est pas capable de lever dans ma fachère. Un point de bonne raison, c'est que, un point de bonne raison, ça veut dire, ça même, il y a qui a dormi bonheur, c'est du lève-toi même. Mais un point de bonne raison qui fait beaucoup. Nous, les jeunes, ou bien les enfants, paraissent lever. Pour venir dans ma fachère, dans ma zine, c'est parce qu'ils ont dormi trop tard. À vos départs, Abu Barza, disait, Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, kana yakrahu naum qabla l'Isha. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, détestait qu'un dimon, il dormit avant Isha. C'est-à-dire, après Marib, nous n'avons pas dormi. Wal hadith ba'daha, et pour nous causer après ça. Après Isha, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est parti content qu'il m'a dit, assisé, causé. Ou il n'a pas causé, fini causé dans la journée. Après, les gens, ou il n'a pas assisé pour causer. Alors, bien souvent, des fois, nous faisons ça aérer, alors. Alors, quand nous peut dire assisé, causé, même dans la case. Même dans la case, ça veut dire, quand la famille finit pour faire la marée des gens, nous venons dans la case, nous assisé, nous causer, fini après 11h, minuit, tout le monde peut causer. Et rien. Parce qu'il veut, parce qu'il sort, il n'y a pas empêché nous les bonheur. Il n'y a pas empêché nous les bonheur. Alors, un bon man qui nous a corrigé dans la vie, c'est nous avons fini de mettre un lien dormi. La maréchal, un petit peu tard même, non? La maréchal, un petit peu tard même. Alors, quand la masse finit, alors, le plus vite, nous allons dormir, excepté si nous avons certainement travaillé. Pour autant, nous faire aller, mais mettre un lien pour nous aller dormir bonheur. Et aussi, nous besoin faire des efforts pour qu'il nous lève bonheur et nous faire nous bon travail bonheur. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Bourika li ummati fi bukuriha. Allah subhanahu wa ta'ala, fin met barakat pour mon ummat dans le travail que je fais bonheur les matins. Alors, normalement, les matins, c'est pas un moment où, nous allons dormir. Et un, pour une manière qui nous fait, c'est, comment faire ça fini, surtout faire ça bonheur là. Alors, on a attendu un petit peu jusqu'à le soleil élevé, et on n'a pas attendu le soleil élevé, non, hein. Quand on a fait ça, il finit mon tour, il dormit. Il dit, il y en a un état de 7 ans, alors il profite, il repose. Si vous avez l'habitude de dormir après la marée échappe tout de suite, ou pas pour bizarre, réel dormir après Fajar. Quand du monde fait bizarre à sommeil après Fajar, là, il a dormi 11h minuit. Mais il est normal qu'un matin, quand le Fajar finit, il est encore dans le sommeil, il est la même qui a perdu son meilleur moment pour faire des couvrants. C'est un moment-là, moment, quand le Fajar finit, jusqu'à ce que le soleil est levé, c'est un moment qui m'a dit, Sahaba, lui donne Allah alayhim, tu peux mettre beaucoup d'emphase pour qui je fais des couvrants salir. Une fois, un man, Sahaba, il vient que Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah Juan. Alors, je viens, je peux hésiter pour, taper la faute pour appeler. J'ai attention, dérange sa famille. Je connais 10 hommes dérangés, attention, dérange sa famille. Alors, c'est un moment-là, il me marche de la rendre comme si, il fait me montrer un petit peu en colère. Il dit, qui je pense, ma famille, c'est ma négligent, c'est ma guide à raflette. Alors, il est en colère, qui, ben, je pensais que sa famille, ça allait la peine dormir. Parce que ça allait la peine de dormir, ça. Après, Fajar, pas un nez pour dormir. Après, Fajar, c'est un nez pour faire dire qu'Allah. Et nous connaissons bien hadith que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il encourage nous, surtout man, qui, après Namaz Fajr, parfois dans l'hiver, pas qu'un état, on peut faire vite pour jeter le travail. Mais là, nous, dans l'été,
Fajar fini, qui veut au pressé pour aller où la case? Qu'est-ce que ça m'agit? Fézikullah. Et, attendre le soleil fini levé, c'est juste des rakats, pas beaucoup, des rakats même. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui s'agit moulin, les gains récompenses, un hajj au complet. Un hajj au complet. Aujourd'hui, vous n'allez faire hajj. Parce que, avec vous casse, vous n'allez pas faire hajj. Si vous avez un nom à Sera d'Aïs ici, là. Peut-être après 10 ans, ou bien après 15 ans, qui ou tout pour venir. Si vous passez pas mal de mettre avec qui haram, ça, vous pourrez prendre responsabilité. Qui vous pas gagner droit. Mais si vous avez d'après, la liste qui est là, peut-être 15 ans. Et si vous n'avez pas fait hajj, vous n'allez pas prendre ou non. C'est-à-dire, vous pas gagner sa location, là. Pour pouvoir faire uniquement longtemps. Longtemps du monde, s'il y en a l'argent, chaque année, tu es capable de faire hajj. Ah, c'est non. Avec vous, l'argent, on n'est pas capable de faire hajj. Mais, get Allah subhanahu wa ta'ala, sur faveur de nous. Même qui, nous pas capable de faire hajj. Mais, l'occasion pour gagner récompense hajj tous les jours, dans nos dispositions. C'est à nous pour faire ces efforts-là. À ma fajal fini, peine pour presser. Reste dans ma djinn. Faire des couloirs. Et il y a beaucoup d'anatkar, qui est très important. J'en dis où beaucoup de musulmans pas mettre la face au là, les là même qui nous trouvent dehors parce que chaque la case où t'as un tel une malade, un tel peut souffrir, c'est pas amené sensé, ou bien sorcellerie, ou bien gain léger, ou bien gain, c'est pas jalousie. Mais qui fait tout ça là? C'est parce qu'ils nous trouvent loin avec des couloirs, nous peinons ces protections. Tiens du monde tous les jours, les liés sur malade car, les matins, les soirs, et, bon, l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, paye n'a aucun chose qui est capable de faire des ditos, paye n'a aucun lisier qui peut porter l'eau, paye n'a aucun méchancé qui peut trois fois plus. Mais quand nous loin depuis Zikrullah, voilà comment Shaitan lui profite de sa manne l'occasion là pour lui faire des ditos. Alors, depuis Tipti même, fini commence, entraîne aux enfants. Ou, avec aux enfants tout, quand la manne finit, reste dans ma titre, reste faire Zikrullah, lié à Pécouran, faire Pédois, jusqu'à ce que le soleil finisse de lever, quand le soleil finisse de lever, ou faire ou des rakats, les là, ou sorti, ou la case. Mais il y a d'autres qui, Allah subhanahu wa ta'ala, lui met beaucoup de rakats dans ce moment-là, dans nos ibadats-ci, et aussi, quand on retourne la case, fait un petit travail qu'il y a à faire, par l'eau de là, si on finit, termine tout le travail bonheur, ou plutôt, qu'il y a beaucoup de temps, pour qu'il soit capable de planifier beaucoup de choses en cours dans la vie. Khawad ibn Jubayr, les gens, dormis. Au commencement de la journée, c'est l'ignorance. Il faut dire qu'il y a un ignorant même pour lui dormir au commencement de la journée. Il dit, au milieu de la journée, c'est un bon caractère. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il tient dans l'habitude de dormir après Zohar ou bien avant Zohar. Ça, après un Kailoula, sunna, pour faire une assiette pour dormir un tigit, qu'il soit avant Zohar ou bien après Zohar, ça c'est bon caractère. Et finir sur la journée, c'est un du monde qui subit, c'est quand, dernier, après ça, l'idome, ça aussi, c'est pas une petite chose qui est intelligent faire. Alors, basant leurs paroles, les chats, grand alim là, nous comprend qu'un du monde, grand matin, faut des pas dormir, après midi aussi, après ça, faut des pas dormir, ou en pis, repose un ticket, c'est après Zohar qui est capable de dormir un ticket pour ou repos, ou reposer et ou récupérer. Et comme ça même, connaît qui, quand du monde, les dormir trop beaucoup, ça a affecté sur la santé, et il fait vivre un djimoun paresse. Il fait vivre un djimoun paresse. Et comme ça même, il perdit sur les temps, dans beaucoup moins de choses, qu'il ne serait pas en profiter avec ça. Alhamdulillah, si un djimoun y en a les temps, et il compte planifier sur les temps, beaucoup de travail il est capable de faire, qu'il soit pour ce dunya ou même sur l'akhirat. Alors, nous devons faire un effort, qui nous manque d'enfants, pas vivre, ben, qui existe dormir, vivre paresse, ou bien, une man qui perd sur le temps, de man qui sort, qui initie. Wahab, Ibn Munabbi, qui fait mot l'année 114, Dieu lui dit, peine en personne parmi les enfants d'Adam, qui plus aimé par Shaitan, qui c'est lui, qui dormit et mangeait en quantité. Shaitan, lui content. Quand un djimoun dormit beaucoup, ou bien mangeait beaucoup. Et un bon man qui fait un djimoun dormir beaucoup, c'est qu'il mangeait beaucoup aussi. Alors, nous faisons un contrôle. Lors du sommeil, et nous faisons un contrôle, l'eau nous manger, puis la doute qui sent, les pour aider nous, pour nous rester en bonne santé aussi, et nous capables de plus planifier, pour nous profiter avec les temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous. Comme ça même, faudrait pas nous perdre nous les temps dans this cause causée. Un bon imam maladie qui beaucoup vend du monde est innocent. Maman, c'est fini?
كوزي 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 بابا كان هم كيبو كوزي بينا بان بلا نفيا كيبو كوزي لا alors ce qui peut venir peut rester كوزي 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 après un namaz il peut dire demi état et état l'autre namaz il peut dire demi état et état si vous êtes un bon كوزي pas de problème si vous avez une information vous donnez un important pas de problème mais juste assiser cause كوزي un vent كوزي papa kan hem kiibo dire ou bien l'autre jour Un jour, il n'y a pas causé, mais il existe des chats avec son camarade. Pas qu'on aime, qui me sert pas, ni qui va voir. Mais non, pas dialogue. Alors, ça, c'est quelque chose qui, Shaitan, il peut faire beaucoup de monde, perdre, jeter le temps dans quelque chose qui est inutile. Alors, il ne faudrait pas nous aller dans sa direction là, parce que Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il conseille nous, il dit, « Wa man kana yu'minu billahi wa yawmi l'akhir » C'est lui qui fait l'amène iman, l'eau Allah. Et le dernier jour, « Fa yakul khayran » Aouli Yasmoud, soit il dit une bonne parole. C'est tout le temps qu'on peut causer, c'est au besoin de causer une bonne parole. Oui, si vous pouvez, par exemple, vous pouvez chatter avec vos camarades, vous pouvez discuter des affaires concernant la dîme. Et chacun peut amener une preuve. Pas vous pouvez discuter pour nous, hein, sans connaissance. Mais chacun peut discuter quelque chose, ou bien je vais demander de camarades certaines questions concernant la dîme qui vous profite. Je n'ai pas de problème. Ou bien même, une madame, il peut téléphoner sur la madame pour prendre une recette. Pour lui capable qu'il y ait un bon manger pour la famille. Pas de problème. Ça, c'est une question qui est énorme. Un bénéfice, ça, non. Mais, juste, chat avec un camarade, papa qu'on aime qui vous cause pour assurer par là, jusqu'à doucement, finir en d'arribat, finir comment se cause un tel, finir comment se cause un tel. Alors, ça, c'est une erreur qu'il faudrait pas nous tomber là-dedans. Comme ça même, un garçon, un jeune, l'Ibsen gagne sa bonne habitude, pour qui lui donne beaucoup sur les temps dans ma zid, dans la case, Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si man di moun ti kon récompense, qui est là de donne azan, et dans salat de premier saf, et ensuite, pas si vous trouvez aucun moyen, excepté pour faire tirage de sort, ça tu vous fais aller. C'est si di moun ti kon valer, vin ma zid bonheur, vin de premier saf, ou bien même de azan, et ça tu peux occuper la choix. Si t'as là beaucoup de monde qui a envie de azan, Et puis vous avez tiré au sort. Si tu tous, ben venez, tu as de chance de donner azan, je te fais aller. Et si je te connais, qui récompense et non d'avoir une salade bonheur, chacun tu peux essayer vin avant son camarade. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, pour sa parole là, il veut montrer qu'il est important pour qu'il chacun fasse effort pour lui venir mazid avant son camarade. Et si je te connais, qui récompense et non d'avoir une salade Isha et Fajr, Je trouve une accomplie à sa déla, dans ma zid, en marchant quatre pattes. Même si c'est là, vous n'avez pas fait qu'à marcher pour une ma zid, c'est là pour ramper, ou bien marcher quatre pattes, et ne pas rentrer dans ma zid pour gagner dans ma fajar. Et dans ma déjà, dis-moi, tu peux aller. Si simplement, nous comprend sa parole qui Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, permet devant nous là. C'est le musulman, vraiment, lui comprend que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur conseiller pour sa oumette là. Lui peut conseiller nous ça, lui peut dire si je te connais. Ça veut dire, derrière ça, définitivement, il y a une très grande récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin mettait pour ben du monde qui fait tout ça en action qui mentionnait dans sa hadith. Alors, étant un bon musulman, nous devons faire des efforts pour qu'il nous-mêmes nous mettions en pratique ou bien non? Étant un bon musulman, nous devons faire des efforts pour qu'il nous mettions en voie, gagner ça en bonne qualité là ou bien non? Alors, définitivement, dans le conseil d'école, Essaye, fais des efforts pour qui, ou avec vos enfants, à un mazid bonheur. Si capable, faire à vos enfants là, avec permission au mazid, définitivement, si capable, faire un jeu de nazan, faire un jeu d'une mademoiselle. Pour ça, mazid là. Il y en a d'autres qui savent, pour un petit show qui, ou peut faire un bon petit bien, pour vous-même et pour vos familles. Le temps de ça, il nous essaye de dire, depuis 30 ans, dans cette abéry là, depuis 30 ans, de dire, mademoiselle, Pas fini de Nazan, excepté qu'il vous utilise dans ma zid. 30 bananes à la juive, ça va être tous les 5 namaz, ça y est, il me dit, d'ici toujours dans ma zid, l'air Azan peut donner. Pas quand namaz peut commencer, non. Quand Azan peut donner, il est déjà dans ma zid, il déjà dans ma zid. Soufiane, il me dit, non. Rahimahullah, qui fait une mot l'année 198, il dit, une personne peut dire, ceux qui font partie, de respecter Salat, ce qui te vient avant Ikrama. Un djimoun, si vraiment, lui donne valeur et grandir sa ibadette qu'appelle Namaza, lui supposé finir bien dans ma zid avant qu'Ikrama te donne. Parce que vraiment, là, nous donne valeur, si nous connaissons valeur, des potes qui Namaz, qui soient Fachar, Zohar, Asar, Marie, Bécha,
C'est pas une grande ibadette qui nous rapproche avec Allah. Si vraiment nous connaissons valer Saman Namaza, nous donne valer Saman Namaza avant qu'il y ait donné, alors ça a l'imna, nous supposons déjà d'amazer avant qu'il y ait donné. Alors définitivement, ça c'est une question qui nous entraîne, nous bannons enfants depuis petit petit même. Fini faire les bins bonheur, fini habiter les bonheur. Et si une fois qu'il y a des enfants, nous fini habiter. Bin mazid bonheur, alors on peut pas douter qu'Inch'Allah, dans l'avenir, nous avons l'espoir que ces enfants-là, nous continuent l'eau, ça bon, l'habitude là. Parce que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, salat qu'une personne, il fait en jamaat, il est multiplié par 25 fois, en comparaison avec ce salat qu'il fait de Sulaka ou d'Abazor. C'est lui qui, et c'est là parce qu'il, quand il fait oiseau bien, et ensuite il sort aussi pour une mazid, et il n'a aucune raison, excepté pour une accomplie salat, chaque pas qu'il fait, un rang élevé pour lui. Imaginez, du moment qu'il fait ce oiseau bien la case, chaque pas qu'il prend depuis ce lacage pour lui, mazid, Allah subhanahu wa ta'ala élève un rang pour lui. Élève un rang pour lui, c'est la jannat. Et un PC repassé pour lui. Et quand il fait salat, ben, on continue à envoyer salat, le lit, aussi longtemps qu'il est en place, quand il finit de faire salat. C'est-à-dire qu'en avance terminé, il continue assis dans sa place là, il fait ce bandit couloir, ou bien, il est juste assis. 11 dimando pour lui. Qui 11e, oh Allah, gagne pitié pour lui. Alors, ben, commence à faire, doit pour lui. Et comme ça même, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dit, un parmi eux, il considère qu'il est déjà dans salat, aussi longtemps qu'il est bétane un autre salat dans ma zid. Masne Saint-Dimon, il rentre dans ma zid, il fait un namaz, Maghrib par exemple, et il saisit à l'occasion là, quand il vient dans Maghrib, il apprend ce Coran jusqu'à Isha. Il reste dans ma zid, il apprend le Coran toujours. En même temps qu'il peut apprendre ce Coran, ou bien même il s'assise dans ma zid, il attend le namaz Isha, il n'est pas fait non rien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il est considéré dans le regard Allah comme s'il n'y a pas fait namaz. Il peut faire non rien, il y a 6 ici. Masne Saint-Dimon, s'il lit, c'est un moment-là, il peut faire zikrullah. Il gagne sur récompense encore. Il peut faire tirawat Quran, ou bien il peut faire hibzul Quran. Bien à doute que tout ça là, c'est, ben, l'occasion qui Allah subhanahu wa ta'ala filmait pour qu'il y ait un djimoun, il est capable d'augmenter, se rend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, comment on dit avec là, ça veut dire, un djimoun, s'il trouve qu'il y a une impossibilité pour qu'il, ses enfants, ou bien lui-même, il vient une moisine dans ma site, mais la doute qui ça, c'est un point de grand ibadat qui nous a fait ses efforts pour faire. Parce que, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, les moisines, il y a pardonné, jusqu'à quand cela va aller. Et sur récompense, il paraît comme une récompense des bannes qui fait salat ensemble avec lui. Masne, un moisine, il donne azan, 100, 200, 300 du monde, il fait namaz, il y a une récompense de tout ça du monde qui peut faire namaz, sans qu'il ne puisse pas l'intimider. Mais il gagne pour lui aussi, il gagne pour Banna aussi. Une grande récompense pareille, définitivement, celui qui donne un hadith pareil, il fait ses efforts pour lui donner la zane. Alors, pour qu'il ouvre une voisine, pas juste les maris pour bien les et chaque qui vous pressez pour lui donner la zane. On a vu de la zane tous les jours régulièrement. Commence par Fajr. Prends responsabilité pour lui donner la zane Fajr. Celui qui prend responsabilité Fajr, nous allons donner tous les azan, tous les ramas pour lui donner la zane. Et pas juste dans les maghrib, là où il n'a rien pour une de l'azan. Non. Ça, vous gagnez beaucoup moins d'une salaire, là. Vous faites ça, si vous avez envie de l'azan, allez, là. Ça, c'est une location qui vous capable de profiter. Alors, faire aux enfants, bien, ça caractérise les enfants, là, qui vous les dit bonheur. Il y a envie de l'azan, j'ai dit quoi, il y a envie de l'azan, vous causez avec le président Mazid ou bien Moutawali, pour te donner un coup de main dans, de l'azan. C'est mort. Tous les jours, tu as besoin de lever pour le nazan pour faire ça. Tu ne pas, si tu ne pas, alhamdulillah, et bien, définitivement, si nous gagnons un zen comme ça, ben, président Mazid, ben, Moutawali, bien, profite de sa location-là pour donner sa zen-là, sa location pour donner nazan pour ben, cela. Comme ça même, on a trouvé dans ce hadith-là même, qui est un salat, c'est-à-dire, le président Mazid, ce qu'a atteint l'autre salat, c'est un grand ibadat. Alors, il ne faudrait pas nous presser. Quand la masse finit, il faudrait pas nous presser pour nous sortir, pour nous aller. Comme a rapporté par Abu Hurayra radiallahu anhu, il dit, le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, est-ce qu'il ne m'a pas montré ça? Ben, action par laquelle Allah efface mon PC et il est mon rang, mon sahaba, il répond, bien sûr, le Messie d'Allah. Alors, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, fais oiseau bien, dans un moment difficile, c'est-à-dire qu'on peut faire bien frais, malgré ça, fais tes oiseaux bien, fais beaucoup, pas pour toi, vers ma zid, et après une salade, attendre l'autre salade,
qui peut venir, ça c'est un ribat. Un ribat, c'est un djoun peut surveiller dans la guerre. À ce moment, tout le guerrier peut dormir, il peut veiller tant que l'ennemi peut attaquer. C'est un grand ibadet, ça. Alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, un djoun qui attend un namaz, un namaz, c'est comme si il peut faire ribat. Ça, c'est un conseil important. Ici, chacun de nous le fait, c'est pour nous grandir, nos enfants, dans sa qualité-là. Il y a d'autres qui nous donnent l'espoir, qui nous prennent une bonne génération qui peut suivre. Alors que le Subhanahu wa Ta'ala aide nous tous pour qu'il nous fasse effort, nous-mêmes et nos enfants, pour qu'ils deviennent de bons enfants qui peuvent trapper d'in Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est juste pour trapper d'in Allah qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala pour nous, ça vous met là. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. لبعض الناس يفوقوا كن بزفير. سيرتو ليه الجمعة. زو الجمعة ليه بوتان بو نومم اي نومن زافان بين مسجد بنيا. رسول صلى الله عليه وسلم dire c'est lui qui les jours du vendredi les baigne comme les baigne pour janaba et ensuite dans le masjid de premier lieu c'est comme si il fait sacrifier un sambo. Quand il dit premier lieu, vous voyez qu'après le premier lieu, il a dit on croit qu'il est là par exemple namaz c'est pas un mois, 15 pour de l'azan. Je crois qu'en l'in villa, quand même midi et demi, il y a un premier du monde d'Amazé, je crois qu'il faut gagner ensemble. Quand nous avons le premier lien, c'est que ma fajal fini. Sa première lien là, ça c'est le premier lien. C'est-à-dire que ma fajal fini, un année à peu près, ça c'est le premier lien. Celui qui vient dans le deuxième lien, c'est le deuxième lien. C'est-à-dire un année encore, à peu près. Ça c'est comme s'il finit sacrifier une vache. Celui qui vient de la troisième lien, ça c'est encore une étape à peu près. Là, il dit, comme s'il vient sacrifier un bélier. Et celui qui vient de la quatrième lien, c'est comme s'il vient sacrifier une poule. Et celui qui vient de la cinquième lien, ça c'est en général. Tout le monde, quand on peut venir là, c'est nous venons dans la cinquième lien. Alors c'est comme s'il vient sacrifier un dixif. Et la majorité, comme aujourd'hui même, nous faisons. Le film témoigne, là. La majorité, ça aussi, c'est pas gagné. 17 ans, c'est pas gagné. Parce que, parce que, imam, finit mort dans l'imbar, c'est pas pour rentrer dans, pas pour rentrer dans ma tête. Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, quand imam sorti pour commencer khutba, ben, ange, vient mettre cette présence pour écouter un zikr. C'est-à-dire, ange même finit, ramasse le livre, pas écrit un nom, pas non, rien. Et la majorité, ben, du monde, je ne dois même pas rester dans, dans le livre. Alors, faites efforts. Pour du moins, fini faire des efforts, si vous connaissez, par exemple, du moment commencé, il est moins 15 ici. Faites des efforts, enfin, il est moins 15, fini, fini. Au moins, on gagne ça 10 efforts, ouais, récompense 10 efforts toujours. Et au moins, ou non, mentionner dans le livre, qui, m'annonce, écrire. Et puis, la doute qui touche à là, c'est un bienfait, qui, pour profiter, nous, les jours du Qiyam. Alors, nous, on a pour venir même, qui fait nous faire état. Si nous gagnons même, ben, PM Michaud, pour nous venir faire du moment, excepté si un du monde, mais est chaud dans ce travail, il n'y a pas gagné, il pas gagné pour ça aussi, excepté pour lui faire la mal. Dans ce cas, là, souvent, on a pour saisi. Mais, ben, nous pouvons, souvent, qu'il y a toute l'occasion. Là, nous devons conseiller l'école. Nous avons enfants qui excusent, j'étais là pour qu'ils se viennent du matin. Nous devons conseiller. Alors, entraînez nos enfants pour qu'ils les plus vite, plus bonheur, al-Mazid, afin qu'ils gagnent sa bonne récompense qui reçoit Allah. Sallallahu alayhi wa sallam, fin enseigné. Comme ça même, tous les jours, il est important pour nous-mêmes et pour nos enfants, nous mettre un lien pour nous apprendre le Coran, pour nous lire le Coran et pour nous faire hifz. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un simple phrase, dit « Khayrukum man ta'allama le Coran wa 'allama ». Mais il est bon, c'est celui qui apprend le Coran et il enseigne. Alors, apprendre le Coran, c'est un grand ibadat qui nous tous nous donne à lire sa livre. Et en passant, nous disons, chaque année, nous témoignons ça, puis dans Maurice, nous prenons un avis depuis Madagascar, depuis l'Inde, depuis, je ne sais pas, qui va dans les autres pays encore. Alors, alhamdoulilah, mon frère, depuis dans les autres pays, notre avis, je viens faire Tarawi pour nous dans Maurice. Mais nous posons une question. Et nous, mon frère, Malgas, comment je suis intelligent, je viens avis, nous, mon Mauritien, comment nous, bêtes, nous ne pouvons pas venir avis? Ou bien, maintenant, fin faire des efforts, nous ne pouvons pas finir des efforts. Définitivement, sa deuxième réponse qui est bon. Ben, nous avons fait des efforts. Nous n'avons pas fait des efforts. Parce qu'alhamdulillah, mon chien n'est pas bête. Mon chien est intelligent. Mais seulement, nous n'avons pas fait assez d'efforts.
Alors, si chacun parmi nous, nous depuis enfant même, nous commençons à mettre un target dans chaque cours de l'école, nous disons, nous faisons un enfant prendre une page même par jour, parlons d'un an, dans un 10 ans, nous manquons enfants, tu viens venir rapide Coran. Ben, 10 ans, nous manquons enfants, tu viens finir venir rapide Coran. Alors, combien rapide tu viens finir un an dans nos pays? Mais sans montrer qui qu'on sait, nous négligeons. Moi, ou tout pareil, là, nous négligeons vis-à-vis parole Allah subhanahu wa ta'ala. Sa négligence, là, c'est corrigé. Et ça, c'est l'occasion. Quand, qu'on s'est prévenu, là, alors, des personnes, là, même, finissent mettre un lien, ou si, madame, enfants, surtout, mettent un lien, qui peut bien mémoriser, et peut bien réciter, et si, et non, un hafiz dans l'endroit, ou bien dans la masjid, ou bien imam, alors, profitez. J'ai contacté l'imam, j'ai dit, mais bon, je vais mes enfants à prendre un hibs de congé. Il y a d'autres imams pour content et pour aider pour qui aux enfants capables d'être un hafiz. Comme ça même, le sahabi Khabbab ibn al-Arb lui dit, rapproche-toi avec Allah par ce qui te capable. Tu n'es pas pour capable, rapproche-toi avec Allah pour une petite chose qui plie chez Allah qui se parole. C'est même qui conseille Ibadah de tout faire pour rapprocher avec Allah. Ou pas capable de rapprocher avec Allah, comment vous rapprochez avec Allah quand on donne valeur parole à Allah, Coran. C'est quand on peut lire le Coran, ou bien apprendre, ou bien étudier le Coran, ou bien enseigner le Coran, tout ça là, c'est une petite chose qui vous peut plus rapprocher avec Allah. Et comme ça même, donne un temps pour apprendre le langage arabe. Le langage arabe, c'est pas juste une langue, mais une langue qui est obligatoire, l'homme musulman, pour se t'apprendre, pour se comprendre, pour se bêtir, pour se banibar. Vous êtes capable de comprendre quand je vais lire le Coran. Il y a important, ça. Le langage arabe est obligatoire. Il y a un doute, là. Il est obligatoire pour nous apprendre le langage arabe. Pas qu'il y ait le langage pour nous connaître l'arabe, pas l'arabe, une mauvaise, non. Mais pour nous comprendre qui nous veut dire dans le sol, hein. Pour nous comprendre quand je vais lire le Coran, qui nous veut dire. Et comme ça même, nous faisons des efforts pour nous apprendre, nous dire dans le général. Nous apprendre, nous dire, j'ai tout à fait l'école. Et il y a une activité qui est organisée par une organisation. Par exemple, il y a book reading competition pour le moment qui Al-Hudawa nous peut organiser. Alors c'est une occasion pour tout âge. Alors aussi, madame, enfants, je tout, je participe là-dedans, chacun est un 4-4 qui vient apprendre. Au moins, ça veut dire nous peut augmenter nos connaissances, qu'il soit d'Akrida, qu'il soit d'Afrique, qu'il soit d'Avan Adam, de façon qui nous vient assis à l'eau, la terre là, tout ça là, c'est ben, l'occasion qui, Alhamdulillah, peut gagner. Alors nous vient apprendre concernant Din Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dit, si pendant une heure, moi, si d'un massif de fête, ça y est, puis après, ça y est, la loi, il dit, ça prie à moi qui suyame d'un jour et criame d'une nuit. Ça y est, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu peut montrer qu'il apprend d'une plus important qui, ben, l'ibadat qui nous fait personnellement. Parce que quand on apprend d'une, ça, il y a une occasion pour qu'il nous prie, rapprochons avec Allah aussi, et lui, pour, et nous, pour nous utiliser, l'audine, Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même, vous pouvez servir un petit peu temps pour faire sport. Sport, c'est une chose qui l'islam encourage. C'est pas une chose qui l'islam décourage. Mais c'est mort. Elle, madame, pas mettre un col. Moi, je pense que l'eau se met en public. Alors, quand nous faisons sport, qu'il soit monsieur ou madame, ça veut dire, nous devons faire dans l'atmosphère islamique. Et alhamdulillah, nous avons un gym, côté de monsieur, madame séparé. Alors, nous pouvons rentrer dans ce gym-là. Afin qu'il nous fasse un petit peu sport aussi. Et comme ça même, un enfant, tant possible, il vient faire tout pour ses parents satisfaire de lui. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, satisfaction durable, lui dans satisfaction de ton papa, et colère durable, lui dans colère de ton papa. Alors, qu'il soit papa ou bien maman, alors, dans congé d'école, quand maman, papa peut causer n'importe qui affaire, maman, papa peut conseiller ou peut dire où, ou bien écouter. Parce que quand un enfant, par exemple, son maman dit, Allah, vous savez, c'est un petit chose pour lui. Ou bien quand il ne sait jamais ça. Quand il peut obéir à ses parents, c'est, il peut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, faudrait pas, dans le congé d'école, ben, les enfants, ben, désobéissant, au contraire, obéir à ma papa, ben, il y a d'autres qui d'adam, qui en a dit bien pour nous. Et comme ça même, un musulman, il vient faire ses faux, pour qu'il lui donne ce coup de main, d'adawa, Allah subhanahu wa ta'ala, dit, y'a eu l'adina, mais nous, pour nous, ansar Allah, au ban qui finalement iman, bin ban qui apporte notre soutien à Allah. Comment nous apportons notre soutien à Allah? C'est par aide pour faire dawa. Alors, bin en qui peut apprendre nous dîner afin qu'il soit capable d'aider dans dawa dans n'importe qui, dans n'importe qui façon. Et comme ça même, pour des pas, ou une église, ou l'étude, qu'il soit côté académique ou bien islamique. Alors, tout le temps, vous avez révise ou ban les choses.
Cheikh Sohail Al-Fawzan, il dit à la connaissance, nous pas prendre rien de ses coups, mais nous prendre tigit par tigit. Ça veut dire pas, ben, nous, une église, même ben, une révision, tout ça là, c'est pour nous capables de garder nos connaissances, et n'importe qui soit, nous trouve qu'il y a une fitna pour nous, nous besoin de respect de ça. Par exemple, si nous trouvons portable, quand nous allons dormir, il y a une fitna pour nous, nous pouvons se guetter, guetter ce qu'il soit. Alors, il y a une fitna pour nous. Comment on a mal fini? Gardez la table, rentrez dans la chambre. Il y a une fitna. Si vous prenez un, vous rentrez dans la chambre, ou vous restez guetté, 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 ou pas le dormiteur. Il y a une fitna. Mettez un côté. Dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les sahabi Ka'b ibn Malik, tu gagnes l'aide depuis les rois qui viennent proposer, pour venir côté lui. Alors, quand vous venez côté lui, c'est pour donner une place bien. Alors, Ka'b finit trop ça d'être là, une fitna. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il a un côté fou, il prend ça d'être là, il met ça dans le four là, il brille lui. Qui veut quand ça l'état pour là, ça tu vois une fitna pour lui. Alors, ça va pas une comprendre qu'il y a une chose, une fitna, bizarre fini, vous allez débarrasser. Alors, comme ça, même n'importe qui trouve une fitna dans la vie, débarrasse-vous de lui, afin qu'il soit capable de plus profiter avec vous le temps, afin qu'il soit capable de plus profiter pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous la compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide, nous maintienne pour je trappe, je digne, comment bizarre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui soulage, nous m'en frère, nous m'en sœur qui a des difficultés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui détruire, m'en ennemi qui peut faire du tout, nous m'en frère, nous m'en sœur dans Palestine, nous m'en dans l'époque qui pense que ça les mots là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui toujours aide-nous pour nous, rapproche-nous avec l'Isra qui nous met nous de ce jannah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aide-nous pour nous rejoindre. Depuis mon action qui amène vers le différent enfer, il protège nous depuis le différent enfer, pour le qawli hada wa sallallahu alayhi wa sallam, 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 wa sallallahu alayhi wa sallam.